Bonsoir, bonsoir, nous voilà sur la Wouhou vidéo en plus que je vais vous faire. Qu'est-ce que c'est que cette Wouhou vidéo en plus? Eh bien, la Wouhou vidéo en plus que je veux faire ici, c'est de vous montrer en fait tout simplement ce que vous voyez ici, une map assez sympa qui est en fait la map de Mario Galaxy premier du nom, je pense. Et du coup, je voulais vous la montrer parce qu'elle est magnifique, de toute beauté, mais vraiment sublime. Regardez-moi cette beauté, quoi. Regardez-moi cette beauté. Oula. Bon, à chaque fois, j'ai quelques petits lags parce que voilà, c'est une vieille map. Je l'ai quand même optimisé, mais voilà, il y a de temps en temps des petits lags comme ça, ça arrive, donc voilà. C'est pas comme avec l'autre map que je vous ai montré avec Viloulette Drôle de Drame, où là c'est complètement... j'ai beaucoup moins d'FPS parce que la map en elle-même est tellement vieille qu'il y a des problèmes d'optimisation. Ici non, c'est pas le cas, ça a été optimisé justement. Regardez, à cause du pack de textures, vous avez ça. J'essaie de mettre d'une manière où ça va. Donc c'est du n'importe quoi, mais du coup non. Regardez comme c'est beau avec le fait de shader, c'est mignon. Oh, j'adore faire des vidéos où vous montrer tout ça. Et ici j'ai encore aussi modifié éventuellement les trucs de FPS. En fait, c'est que j'ai normalement, vous avez un peu moins de flou en fait. Regardez, parce que les marques sont carrément derrière la cascade, c'est un peu comique. C'est très très rigolo. Il est comique, ce pack de texture. Il est très rigolo. Hein. Donc du coup ici, voilà, ici vous avez carrément une map. De toute façon, on voit direct. Hein. Je suis beaucoup plus fluide sur cette map que sur l'autre. Mais c'est clair et certain. Il y a une sacrée différence. Là, on est au-delà de 30 FPS, c'est sûr et certain à 100%. Alors que sur l'autre map, on était peut-être un peu plus bas. Parce que la map en fait que je vous ai montré la dernière fois, elle est mal optimisée, tout simplement parce que c'est une très vieille map qui date de très très longtemps. Tellement longtemps que c'est tout à fait normal qu'elle ait des soucis d'optimisation et tout ça. Mais regardez ici, il n'y a pas de problème, on peut regarder, tout est en toute fluidité. Et du coup vous vous dites, mais en effet, ça peut pas forcément être qu'un truc de combat, parce que ici vous avez blindé de personnages de pixel art. Alors je vais vous dire une information que je vais faire ici dans les vidéos prochaines, c'est de tout simplement vous montrer blindé de maps comme ça que je visite. Bon, moi je visite ça avec des shaders, mais vous n'êtes pas obligé vous de votre côté de faire ça. Regardez un joli pixel art de Browser et des autres. Donc je vous montre bien ça. Et du coup, ce que j'ai fait au niveau FPS, c'est que j'ai amélioré en fait. Donc ici, ça saccade par exemple, mais c'est normal. Si vous avez des grosses saccades et des gros lags dans la vidéo, c'est tout à fait normal. C'est parce que ça doit charger en fait le monde. C'est parce que ici, il n'a jamais vu. Donc du coup, il a besoin de charger. Du coup, il respecte un peu, il charge. Mais regardez, dès que c'est chargé, je peux faire comme ça et me mettre maintenant en mode cinématique. Il n'y a quasiment pas de soucis. On est en constante fluidité, mais un truc de taré, vous voyez ici. Hein. Est-ce que c'est pas fluide? Si, ça l'est. Et c'est vraiment magnifique. Bon, après, on voit les objets popper de loin parce que je suis en 12 chunks, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, mais sinon, c'est ultra, ultra quali. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Voilà, là on a eu une petite saccade parce que ça doit charger encore des trucs. Mais c'est uniquement quand il y a des machins à charger en fait. Hein, mais sinon on est vraiment ultra quali. Bon, si je viens sur cette map, c'est pas uniquement que pour ça en fait. Hein. C'est aussi pour d'autres raisons. Merde, je me suis gouré de boutons. J'ai fait un screenshot, je devrais le supprimer. C'est que en fait je dois tester justement le truc que j'ai utilisé justement, comme je vous ai expliqué. Pour voir si c'est fluide. Parce que j'ai des doutes de peut-être que je me trompe et qu'en fait le machin il est ça rame à mort et du coup c'est inutilisable en vidéo. Mais on va voir, on verra bien. Et si ça se peut je me trompe, on verra bien, on verra bien. Donc on va aller voir, on va aller visiter partout, on va chercher partout
un peu. Ça fait une vidéo moins longue quand même. On va essayer de faire que 3-4 minutes ici. Regardez, on a un joli truc. En tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus fluide. On le voit carrément que c'est beaucoup plus fluide que sur l'autre map. Donc ça, c'est quand j'ai une map optimisée. Quand j'ai des maps non optimisées, bah, ça fait de la merde. D'ailleurs, je sais pas, mais on peut vérifier. Est-ce que j'apparais où, en fait, quand je meurs? Je suis en game mode, mais je peux mourir quand même. Quand on tombe dans le néant, on peut mourir. Même si on est... Voilà, comme vous voyez, pourtant... Ah, ok, j'apparais ici. Pourtant... Ah non, pas là! Non, je veux pas. Non, mais je veux pas... Je vais pas faire ce parcours. Ça m'intéresse pas. Voilà. Merci. C'est pas ce que j'ai demandé en fait. Bon, voilà. De retour au truc que je voulais vous montrer. Donc voilà, ici c'est le HUD central du truc Mario. Oula, ça m'a encore TP autre part alors que j'ai rien demandé. Ah, oh, ça m'énerve quand ça fait ça, c'est un peu casse-pied quand même. Donc voilà. Hop, par exemple, il y a un truc que j'ai envie d'aller voir. Il y a une sorte de temple maya. Où c'est dans Mario, ça? Ouais, sûrement. Là, on a un broyau d'intestin, je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Ouais, vraiment toutes des maps, hein. C'est censé être une map aventure, hein, je pense. Alors, est-ce que je pourrais l'utiliser pour faire de l'aventure? Non, j'ai la flemme. Par contre, ça, c'est pas... je vais pas être méchant, mais ça, c'est pas... Oups, heureusement que je suis en game mode. Je suis désolé. Oh, deux fois. Ça, c'est dans Mario Sunshine, dans Mario 64, ça. C'est le truc de Bowser, ça. Ça me dit rien dans Mario. Bon, en vrai, j'avoue que j'ai le jeu, je l'ai acheté sur GameCube, mais j'y ai pas vraiment joué pour l'instant, donc je sais pas ce que ça donne Mario Galaxy. Mais en vrai, c'est surtout parce que j'ai un peu la flemme d'y jouer sur l'appareil que j'ai. C'est très joli ici. Pas de son. On n'est pas déjà venu ici. Ah, là non. Désolé pour la longueur visitée. Il y a tellement de choses à visiter. Je pourrais mettre sur pause, mais bon. En tout cas, ça va, hein, c'est fluide. Hein. J'ai tout ce que je veux en termes de fluidité, c'est bon. Hein. À part des fois que j'ai des petits lags parce que ça doit charger les chunks, mais sinon... nos soucis. Je vais dire c'est ultra quali. Hein. C'est parce que j'ai optimisé le monde, mais voilà, des fois ça rame à mort quoi. D'accord. Bon bah vous savez quoi, on va se quitter sur ce que vous savez. Donc du coup pour ça, technique de WooTP. Donc nous voilà à la fin de cette petite vidéo découverte de cette map sur Minecraft. Donc je vous dis, j'espère que cette petite vidéo sympathique, rapide et assez courte, j'espère qu'elle dure moins de 5 minutes, ou au moins pile poil 5-6 minutes, pas plus, vous a plu. C'était une petite vidéo en même temps pour moi, test, parce que comme j'ai expliqué, j'ai tout simplement changé le truc d'OBS au niveau des FPS, j'ai pris au plus haut avec un machin en dessous avec un 1. Je pense que c'est au niveau de compression et tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai changé les choses. C'est pour avoir encore plus de fluidité. Et à l'avenir, c'est possible que je fasse encore plus de modifs. Mais pour le moment, c'est déjà pas mal. Donc je vous dis à bientôt, bande de truc-truffes. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bande de truc-truffes.